Good morgen, allez, idem, l'étude sur aujourd'hui, le Lunishmat, mon rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah ben Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet ben Achot, Perigvav Mishnah Gimel. Kol ben Achot, anasot bakeli, teunot shalosh matnot shemen, yetzika, oublila, ou matan shemen bakeli, kodem la siatam. Vachalot, bolelan, divrei rebi. Vachachamim omrim, solet. החלות תאונות בלילה והרקיקים משוחים. כיצד מושכן, כמין כי, ושאר השמן נאכל הכהנים. בפרלי נוסק משתה, דו קונקרטמו, כמו, פטון, אין, מנחה, פלו פרסיזמו, מנחת מרחשת המחוות, ומנחת מאפה. לפרמי הפרסיל המשתה, ודו פרלי דו מרחשת המחוות, כמו נביא אקספליקה, למנחות כלונפה, en friture, avec deux types de friture. Une avec une petite quantité, une avec une poêle basse, ça ne baigne pas beaucoup dans l'huile, et donc ça va nous sortir, ça va nous donner un résultat relativement dur et croustillant, à la différence de la machavat, la minchat marcheshet, excusez-moi, où cette fois-ci, elle va cuire en baignant dans une huile plus profonde, elle sera de contexture beaucoup plus molle, et la pâte, le résultat, va être aussi plus molle, comme on avait dit la tortillas ou la moufleta et le sphinge marocain, là, le beignet bien moelleux parce qu'il a cuit dans un bon bain d'huile. Ça, c'est les deux menachot que l'on fait cuire avec l'huile. Que la Mishnah qualifie de kol menachot anasot bikli, toutes les menachot, toutes les oblations que l'on fait dans un ustensile, c'est-à-dire que l'on fait cuire dans un ustensile, à la différence de la minchat ma'afé, l'autre mincha que l'on va en parler ensuite dans la suite de la Mishnah, que l'on fait cuire au four, ou une fois qu'on va la former, on va la faire cuire au four sans ustensile. Ces deux-là, on les fait cuire avec un ustensile, dans l'ustensile, d'accord? Et donc, kol la menachot anasot bikli, toutes les menachot que l'on fait dans un ustensile, donc minchat ma'afeshet ma'chavat, te'unot shalosh matnot shemen. Il va falloir verser la quantité d'huile en trois dons, trois étapes. Donc, Yetzika, Belila, Umatan, Shemen, Bekli, Kodem, La Siatan. La Mishnah les a pris à reculons en nous disant Yetzika, c'est la dernière, c'est lorsqu'on va verser tout à la fin. Belila, c'est lorsqu'on va verser pendant que l'on va pétrir. Et Matan, Shemen, Bekli, Kodem, La Siatan, le don d'huile avant de former les pains. On explique un petit peu mieux comment ça se passe. Tout d'abord, pour une quantité de 1 Issaron, Issaron, c'est Asirita Efa, un dixième de Efa, vous rappelez, Escalabudo, Efa, c'est Akavlog, Beita, et les coefficients 3, 6, 4, 6, Gudo, Escalabudo. D'accord, les coefficients, donc vous faites le calcul, avec le, retenez toujours, un Beita, on sait c'est quoi un Beita, c'est 56 grammes, 56, quand on dit 56 grammes, c'est 56 grammes d'eau. En réalité, on fait allusion au volume, qui est 56 cm cubes. Et donc, on se retrouve maintenant avec donc, les coefficients 1 log, Shemen, une quantité de 1 log, ça fait 6 Beita, donc 6 fois 56, ça fait 333 ml, une canette de coca. Et un Issaron, c'est la quantité tout simplement que l'on utilise, un dixième de Efa, c'est la quantité qui devient imposée de Khala, 1,666 kg pour les Swaradim, 2,5 kg pour les Ashkenazim, pour faire avec Bracha bien sûr. En tout cas, donc cette quantité de 1 log pour un Issaron de semoule à mélanger. Comment on le mélange? Trois étapes. C'est expliqué joliment dans le Barthénora, qui nous dit, d'abord je vous explique, après on rentre dans les mots. On commence tout d'abord, on a l'huile, la semoule et l'ustensile. On commence à verser dans l'ustensile une première quantité d'huile. On prend la semoule, on la verse entièrement, on commence à mélanger bien. Après on verse de l'eau, on continue à pétrir. Je me suis trompé, je recommence. On a mis un premier fond d'huile, on a versé la semoule, on a mélangé. Pendant que l'on pétrit, on remet de l'huile, et cette fois-ci on va mélanger avec l'eau, et on va faire la pâte soit molle, soit pas molle, ça dépend si on fait une minchat, marvat ou marchechet. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on va maintenant la laisser dans l'ustensile, faire cuire avec l'ustensile. On la ressort du four, on va être patot ota pitim, la Torah insiste, de le découper, de récupérer ensuite le résultat, et de le couper en petits morceaux. On les coupe en petits morceaux, et après on va faire la yetzika, c'est de verser dessus maintenant de l'huile. Ok, on donne cette quantité d'huile en trois dons. Donc qui s'appelle, à la reculons, je l'ai fait, de la Mishnah, ou matan shemen bakli kodem la siatan, le don d'huile avant de les former,
Je reviens en arrière, la blila, pendant qu'on pétrit, on rajoute de l'huile. Et la dernière étape, qui est la première évoquée dans la Mishnah, la yetzika. Le fait de verser, une fois que c'est déjà le produit fini. Ça, ces trois étapes se retrouvent uniquement dans la marachéchet et la marchabat, les deux menachot qui sont cuits dans l'ustensile. D'accord ? À la différence de minchat maafé. Minchat maafé, c'est la mincha que l'on va former en mélangeant de l'huile, qu'on va faire cuire au four et qu'après on va remettre de l'huile ensuite, comme ce qu'on va expliquer dans la Mishnah, bien sûr. Maintenant, alors, là, dans ces chalot, alors il n'y aura plus la yetzika. Ok ? Dans les chalot qu'on va faire au four, il n'y aura plus les yetzika. On va mettre la même quantité d'huile, mais autrement, comme ce qu'on va expliquer dans la Mishnah. Lorsqu'on va faire maintenant la minchat maafé, on a déjà évoqué qu'il y a les chalot et les rikikim. Deux types de petits pains. Toi, on m'impose de faire 10 pains, mais avec deux espèces, une qui s'appelle les chalot et l'autre qui s'appelle les rikikim. La différence fondamentale, elle est dans l'huile mélangée dans le pain. Dans les chalot, il y a plus d'huile. La quantité générale sera toujours la même. Mais la question, c'est quelle quantité d'huile je vais mettre sur le pain et qu'est-ce que je vais consommer avec le kohanim. Vous ne devez pas forcément comprendre, je vais vous expliquer tout de suite. Pour le moment, pour les chalot, on met toute la quantité d'huile et on va entièrement la mélanger au pain. Tandis que pour les rikikin, les petits pains rikikin, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot rikikin, est-ce qu'il y a un rapport avec quelque chose de rikiki? Je ne sais pas si c'est des petits pains plus longs, plus croustillants, aucune idée. Il n'y a pas d'huile dedans en tout cas. Une fois qu'on les fait cuire au four, on va prendre un petit peu d'huile, on va mettre un peu d'huile dessus, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah, et on va les couper en... Bien sûr, on coupe en petits morceaux, on va récupérer, on va verser, on va mettre l'huile, on va les couper en morceaux et récupérer le kometz, et le reste va être consommé avec les kohanim, avec le restant d'huile. On ne va pas mélanger tout l'huile dans le pain. On va donner l'huile et le pain au kohanim, ils n'ont qu'à manger en trempant et en dégustant. D'accord ? C'est la différence essentielle entre les chalot et les rikikim. Maintenant, par rapport aux chalot, où il faut être bolel bashemen, il faut les pétrir avec l'huile, il y a une marloquette dans notre Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire pétrir avec l'huile ? Pétrir lorsque c'est de la pâte, ou pétrir une fois qu'on a fait le pain sans huile. Alors on va récupérer les résultats, on va les friter, et puis après on va mélanger l'huile. Et en cela, une discussion. Ve'achalot bolelan, divrei Rabbi. La phrase de Rabbi, elle est dure à comprendre un peu, parce que l'exergue, elle est placée sur le mot achalot bolelan. Tant que c'est chalot, il faut être bolel. Tandis que Rami vont nous dire non, solette. Et on explique. Selon Rabbi, on fait d'abord cuire les pains sans huile. Je ne sais pas s'il fallait en mettre un petit peu ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la quantité d'huile que l'on met dans la blila, on ne la met pas tout de suite. Une fois qu'on refait sortir le produit du four, on va le prendre, on va le couper en petits morceaux, et seulement après, on va mélanger l'huile et on va être bolel. On va bien mélanger l'huile de partout. Ça chalot bolel. Quand ils vont devenir chalot, alors là, tu vas faire la blila. Et il n'y aura plus de yetzika ensuite. Divrei Rabbi, tel est l'avis de Rabbi. Tandis que Chachamim Omrim, Solet. Chachamim me disent non, Solet, quand c'est encore de la semoule, tu vas pétrir, tu vas mélanger l'huile dans la semoule. À présent, on va parler de Achalot. Alors, la Mishnah continue en disant Achalot, Teunot, Belila, Varekikim, Meshuchim. Les Chalot requièrent d'être malaxés dans l'huile, chacun selon son avis. Si c'est pendant que c'est de la semoule, pendant qu'on a la pâte, ou si c'est après cuisson qu'on a tout réduit de nouveau en petits morceaux. Mais les rikikim, mais shuchim. Pour les rikikim, l'autre espèce, il va falloir uniquement moindre de l'huile superficiellement. Keitzad moshran, comment doit-il faire cette meshicha, verser cette huile? Kemin ki, comme un petit ki. Vous savez c'est quoi ki? Ben c'est compliqué. Ki, c'est une lettre grecque, que je crois que dans le grec, ça ne correspond pas au cas, c'est sûr. Et ça a plus l'air de correspondre à l'équivalent d'un kaf sofit. On le retrouve souvent dans la Gemara, on utilise kiminki. Et ça, c'est flou. On a ici le Barthénora qui nous a fait une forme de U. Et il y a le Tosotium Tov qui nous rallonge. Alors lui, le Tiferet Israël, il nous dit que c'est le X. X, ça fait ki. C'est les mêmes lettres. Il y a encore Tiferet Israël qui propose encore un Rashi qui apparemment il mélange ça avec le gamma. Ça sent plutôt un guimel. C'est un peu le balagan. En tout cas, concrètement, il y a. On va retenir le Tiferet Israël parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il est une dans un sens, une dans l'autre. Un peu une sorte de croix, j'aime pas dire ce mot, mais en tout cas, ouais, ou soit c'est un kaf sofit, ou soit c'est plutôt un dans un sens et l'autre dans l'autre, comme un X, comme un multiplié. D'accord?
En tout cas, Ketsad Moshran Kemin Ki, comme une lettre qui, le qui. Il y a un, donc je dis, il y a un petit Sotium Tov qui rallonge, qui rapporte tous les avis possibles sur le c'est quoi ce qui exactement, à quelle lettre ça ressemble. Parce que le partenaire, il rapporte que ça ressemble à, une, à un tête. Alors le tête, ça peut ressembler à un U. Seulement, c'est pas un U, quoi. Enfin, il n'y a pas de. On connaît plus ou moins alpha, bêta, gamma, delta et epsilon et je sais plus encore phi. Il y a comme ça toutes les lettres et là-bas il y a un maximum. Ça peut correspondre au qui. Aussi les lettres que nous on fait quand on faisait les maths à l'époque avec le alpha et tout ça, c'est pas exactement les mêmes lettres initiales. Ça a été un peu modifié en route, ça a pris une forme beaucoup plus jolie avec le temps. Mais en tout cas, apparemment, mais je sais pas. Bon, enfin bref. Ah non, dans la Gemara on pense souvent kemin gam yevanit, pas kemin ki. Il y a kemin gam yevanit et kemin ki. Je ne crois pas que c'est la même lettre gam, c'est correspondant gamma. En tout cas, on continue notre Mishnah. Varikikin meshuchin. Ketsad moshran keminki. Ush arashemen echalakoanim. Mais une fois qu'il a fini de mettre la petite, il a mis un petit. Il a étalé comme ça deux petits traits d'huile sur chacune des chalotes. Il lui reste le récipient d'huile. Tout le reste, il va être donné au koanim pour consommer avec le pain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la slacha. Kol tov, v'salam.